présenter les tireuses pour cette finale. Donc au poste 8, Aurélie Giraud, Cercle Jules Ferry, 8 du centre. Au poste 7, Corinne Serratosio, des Chevaliers Tireurs de Chambéry, Ligue Dauphiné-Savoie. Poste 6, Karine Berton, de l'ES à Condange, Ligue de Lorraine. Poste 5, Nadine Lampenia, de l'Avant-Garde de Stéloise, Ligue de Lorraine. Poste 4, Constance Joliffe, du club de Carquefou, Ligue Pays de Loire. Poste 3, Sandrine Goberville, de l'Estir Creil, Ligue de Picardie. Au poste 2, Elodie Cotin, du TS Libourne, Ligue Aquitaine. Et au poste 1, Céline Goberville, de l'Estir Creil, Ligue de Picardie. Tir suivant, chargé. Joliffe, Constance a pris la troisième place, à 0,8 points, 200 B. Attention, 3, 2, 1. Première championne de France, Céline Goberville, 485.3. Seconde, médaille d'argent, Nadine Lampenia, 475.1. Troisième, et médaille de bronze, Constance Joliffe, 472.8. Donc nous allons passer au palmarès individuel, discipline pistolet 10 mètres, catégorie dame. Alors, l'argent, c'est celle-là. Hein. Ah, vous pouvez jouer Gérard, il n'est pas là pour vous. Gérard. Le président de l'île. Ah, je sais pas si on l'a vu. Moi, je l'ai vu tout à l'heure. Ouais, il devrait être là quand même. C'est un normand. Carquefou, c'est la norme. Pardon, je ne sais pas pourquoi. Bon, Céline, deuxième médaille de la semaine. Oui, la deuxième, ça fait toujours plaisir. C'est vrai que c'est la discipline la plus importante pour nous, la précision. Donc c'était bien de gagner aujourd'hui aussi. Ça va t'aider à te projeter pour la suite de ta saison ? Oui, c'est un match de travail. Et c'est vrai que voilà, j'avais un peu les mêmes objectifs que sur le reste de la saison. Donc c'est la saison après. La ville de Creil va être contente. Vous prenez la médaille par équipe également ? Oui, on en est à 8 ou 9 médailles pour Creil, donc c'est toujours ça de gagner. Merci beaucoup Céline et bonne chance pour la fin de ta saison. Merci.